Bien, salut à tous, comment allez-vous? Moi ça va très très bien. Alors on réattaque tout de suite les présentations de mode en beauté avec un mode super génial. Donc je crois que ce sera en tout cas, enfin, que c'est le plus beau mode de Farming 2013. Le plus beau mode. Enfin, peut-être pas le plus beau parce qu'il n'y a pas rien de spécialement beau à ça, mais le plus pratique. Franchement le plus pratique. En fait ce n'est pas... Comment dire, ce n'est pas un tracteur, une machine, ce n'est pas tout ça, c'est plutôt un mode qui sert à quelque chose. Donc voilà. Donc je vais aller un petit peu vite parce que j'ai un problème avec mon logiciel de capture. Donc voilà. Donc là je voulais faire un petit peu durer le suspense, mais je ne saurais pas malheureusement pour moi, même heureusement pour vous, parce que j'aime bien vous faire un petit peu patienter, je dirais. Donc voilà. Mais qu'est-ce que ça pourrait très très bien être? Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, c'est... Donc voilà. Donc, je suis obligé de recopier... Donc, je suis obligé de recopier sur le truc lsqs.2013. Pourquoi? Parce que quand je veux le faire moi-même sur l'ordi, eh ben ça ne va pas. Donc, je vais un petit peu vous montrer ça. Donc, je vais mettre play et regarder ça. Je mets play, voilà. Donc regarde un petit peu à la vitesse à laquelle ça va. Donc on se retrouve tout de suite sur Farming. Donc voilà. Donc en fait ça, en fait quand on mettait x120, c'était aux alentours des, allez, je vais dire des 2 minutes par seconde. Et là, ce n'est plus par x120, mais c'est par x120 000. Donc là, on n'est plus par 2 minutes par seconde, mais on est par 2 heures par seconde. Donc ça fait avancer hyper vite. Donc pourquoi, en fait, il faut appuyer sur les touches Q, CTRL et R. Et moi, quand j'appuie sur la touche CTRL, ben, ça stoppe l'enregistrement. Et enfin, moi, je stoppe l'enregistrement avec F9, mais là, quand j'appuie sur CTRL, ça stoppe aussi l'enregistrement. Et je ne sais pas bouger ça, donc je ne sais pas vous montrer vraiment sur l'ordi, donc sur cette partie-ci. Donc voilà. Donc j'espère que ce mode sera pratique pour vous, hein, parce que pour les cultures, là on ne va plus attendre 10 minutes, parce qu'on peut attendre jusqu'à 10 minutes, hein, quand on fait des cultures et qu'il faut attendre que ça pousse. Ben là il faudra plus attendre 10 minutes, mais 3 secondes. Donc voilà, donc j'espère que ce mode vous aura fait plaisir. N'oubliez pas qu'il est tout en bas de la description. Hein, donc n'hésitez pas à mettre beaucoup de commentaires, j'aimerais bien vraiment beaucoup, parce que c'est la 60e. C'est le 60e test mode, donc j'aimerais vraiment un max de commentaires pour ce 60e test mode, donc dire que c'est bien, dire que ce mode vous apprécie ou quoi, et ben, dire que vous appréciez ce mode plutôt, et surtout un max de j'aime, parce que j'aimerais vraiment un max de j'aime pour ce 60e test mode. C'est un petit peu une façon de me récompenser, parce que je suis vraiment, enfin, en tout cas, j'espère que ces 60 présentations de mode vous aura fait plaisir. Il y en aura d'autres, hein. Je ne pense pas m'arrêter là, je pense plutôt en faire dans les 400. Donc je ne m'arrêterai pas là, et même si je suis Farming Simulator 2014 ou 2015 sort ça, je ferai toujours des tests mode là-dessus. Et n'oubliez pas de mettre le petit j'aime, le commentaire, et de surtout vous abonner si ce n'est pas fait. Et n'oubliez pas de partager si c'est possible. Donc ciao, bye bye, bye les amis. Olivier Beau, la chaîne 100% Farming Simulator.